show with over 75,000 employees made up of the smartest people in the world. If this is the best of the best, then we're fucked. The show, c'est parce qu'on tourne. Ça se passe dans un... Voilà, vous êtes dans The Show. C'est une grosse... un gros moteur de recherche. GAFA. Ça, c'est un t-shirt. Fuck The Show. Parce que plusieurs fois, des personnages... Il y a un personnage qui pète les plombs dans le film et qui veut tout détruire. Imagine we had data on every single thing you ever did. Moi, j'avais fait 99 francs sur la pub. Je me prénomme Octave. Je suis publicitaire. Au lieu que le target soit une critique des dérives de la publicité, là, c'en est une des dérives de ces petites startups qui sont devenues des gens d'Internet et qui vont... Voilà, et en même temps, c'est bien de taper ce qu'on aime bien, au fond, ce qu'on utilise tous. Exactly three accomplishments that the human species have achieved. The wheel, the bomb, and the algorithm. C'est pas une série classique, comment dire, avec une narration un peu dans l'esprit de 90, il y a beaucoup de pastilles, de choses, de choses à la caméra. Il y a aussi pas mal d'informations sur le sujet. Et tout ça dans une histoire un peu rocambolesque et un peu barrée, quoi. Quand j'ai lu le scénario, d'ailleurs j'ai trouvé que c'était très cousin de 99 francs, et quand j'ai lu la qualité du travail de Jay Ferguson, je me suis dit, quand même j'ai envie de le faire. Alors c'est dur de faire une série digitale, pour moi, qui s'habitue à être des artisans dans le cinéma. Hein, donc à la limite, je fasse des cheminées au lieu de faire des films. J'ai l'habitude, pour faire une belle cheminée, il me faut 3 semaines, et là on me donne 2 jours. Donc c'est un peu ce ratio-là. Là, je fais un film en, on va dire, 3 semaines et demie, en 18 jours. Alors que d'habitude, pour la même durée, j'ai 13 semaines ou 10 semaines. Coupé. L'aspect positif, c'est qu'on a, on fait des choix très rapidement et il y a une énergie particulière. C'est là où je redoutais ça avant que je commence à tourner. Et en fait, quand on se retrouve embarqué là-dedans, je pense que j'ai vu des scènes monter. J'ai dit que c'est mieux que ce que j'aurais fait avec peut-être plus de temps. Certaines choses, hein. Après, on verra sur l'ensemble. On a un savoir-faire et on a envie de partir dans une aventure qui est une première fois. Moi, je suis plutôt jeune, donc je sais peut-être, on verra si je suis la bonne personne. Mais j'essaie de faire du cinéma, de raconter mon histoire. Je ne cherche pas à capter particulièrement d'attention. J'essaie toujours de trouver une écriture qui corresponde au projet. Donc là, effectivement, j'ai des moyens plus limités, donc je vais trouver l'écriture qui correspond aux moyens dont je dispose. Ça a toujours été un petit peu mon principe en termes de façon de filmer, de rythme, de tous les choix qui se font à différentes étapes. C'est comme construire un... Moi, je comprends souvent le métier de réalisateur ou de cinéaste à celui d'un architecte maître d'œuvre. C'est-à-dire, moi, on a une équipe, on a une contrainte, on a une demande. Donc, est-ce qu'on fait une cabane super bariolée, joyeuse, dans la forêt, avec moins de moyens, mais d'un coup, on s'éclate, et si on veut mettre 3 toilettes, on les met? Ou alors, on travaille sur un bâtiment qui va perdurer, mais on a des contraintes très précises, parce que ceux qui commandent à l'architecte le truc ont aussi quand même la volonté d'avoir certaines choses dans leur chose. C'est souvent ça. Et après, on fabrique.